Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau SL Colibri. Ça fait un petit moment hein, qu'il est dans les tiroirs celui-ci et qu'il était prêt à s'envoler. Donc un petit bon dia Maria. Un petit non, un grand moment de partage et de détente que nous attendons tous. Je suis pas les, enfin je suis les commentaires, je réponds pas forcément sur le groupe là parce qu'il y a, on a eu tellement de boulot. Mais j'ai vu que vous étiez nombreuses et que vous étiez déjà sur les starting blocks. Salut Odile. Alors, hello everyone, I hope you are doing well. I'm happy to be with you for this new SAL humming. Bird, c'est comme ça qu'on dit le colibri. Y hola a todas, espero que estéis bien. Y estoy encantada de volver a verte por este nuevo SAL del colibri. Comment se dice colibri en espagnol? Alors on y va. J'aurais évidemment aimé vous revoir plus vite, hein, mais si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que ces derniers mois, ça a été la folie. On a été hyper occupés par tous les différents salons dans lesquels nous sommes allés, en France et à l'étranger, mais ça y est, on est revenu, donc on est prête. I would have liked to see you again sooner, but if you follow us on the social networks, you will have understood that we have been very busy with the all fairs in which we have a participant. And me hubiera gustado volver a verte antes, pero si nos sigues en las redes sociales, habrás entendido que hemos estado muy ocupados con las diferentes ferias en las que hemos participado. Alors, Karim, tu me dis, ah, Gisèle, coucou, merci Gisèle. Donc, évidemment, on est rentrés enchantés de tous ces salons, heureuse de vous avoir rencontrés, de vous revoir, de vous présenter nos nouveautés. Salut Anouiche Rose du Québec. Et de voir eh ben, que oui, ces nouveautés, elles vous plaisaient. Et puis, bah oui, heureuse de partager tout simplement. We came back from those fairs very happy to meet you, to have met you. And volvimos encantados de volver a verte en las ferias y de compartir con ustedes. On est 208. Bonjour à toutes celles à qui j'ai pas dit bonjour. I met you in Sitges. Hello, Penelope Middleton. Yes, I remember you. Ouais, j'ai rencontré plein de gens. Alors, première nouvelle, excellente nouvelle. Les organisateurs des prochaines éditions du Salon Création et Savoir-Faire et de l'Aiguille, en fait, nous ont proposé de tenir le bar à broder, donc en novembre, prochainement novembre et février l'année prochaine. Donc pour ces deux événements, et nous, évidemment, on est super contentes. En deux mots, le bar à broder, c'est un grand espace qui va être devant notre stand, donc un double stand presque, qu'on va animer par des démonstrations, des ateliers gratuits et tout plein de surprises. Alors évidemment, il faudra s'inscrire à l'avance, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de nos avancées, de toutes les modalités. Voilà, donc on va être super contente, il faudra être réactive et puis on compte sur vous pour ben, celles qui viendront à Paris et puis peut-être que ben, du coup ça va en motiver d'autres qui hésiteraient. Voilà, donc ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu. Évidemment, j'ai plein de choses à vous raconter. On va d'abord parler du concours de Pâques. First, let's talk about the Easter contest. And primero hablemos del concurso de la Semana Santa. Alors, je tenais à vous remercier vivement pour votre participation. Féliciter toutes les heureuses gagnantes qui ont d'ailleurs gagné le colibri. I really want to thank you for your participation. Y quería agradecerles por su participación. Je parle pas trop vite, Karim? Il baille à côté de moi. Perfect. Je rêve, il baille. Alors oui, c'est pas moins de 220 lapins qu'on a vu défiler sur le groupe avec des propositions juste magnifiques et tellement différentes. J'ai aussi été vraiment touchée de voir cette jeune génération prendre la relève et nous proposer de jolies propositions. Donc, il nous tenait vraiment à cœur de pouvoir aussi les récompenser. Ouais, Jen, vous avez été contente. Mais oui, il y a eu une émulsion dingue avec ce concours et puis bah, vous vous débrouillez super bien. Hein. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de moi du tout pour créer vos modèles. Alors, je voulais aussi vous parler
de la boxe Fête des Mères. Bonjour Martine. Depuis vendredi, vous avez vu que notre boxe Fête des Mères était disponible sur notre site internet. Since Friday, you have seen that our Mother Day box is available on our website. Y desde el viernes has visto que nuestra Cara del Día de la Madre está disponible en nuestra página web. Alors, j'ai vu que vous étiez sur les starting blocks vendredi. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont déjà partis. On en a préparé. Ouais, c'est une super nouvelle, hein, le bar à broder Barbara. Barbara, je la vois sur tous les salons. Cette fois, donc, on en a préparé 200 des box. Il en reste encore quelques-unes, hein, mais bon, ben, soyez rapides, c'est des modèles exclusifs, hein. On m'a dit de ne pas la montrer. Alors d'abord, je vais vous la montrer comme ça, parce Ben qu'elle non, on est... a dit de ne pas la Oh, montrer. mais si, mais moi, je ne peux pas faire autrement. Alors, est-ce que vous la voyez? Donc là, voilà notre boîte. Elle est ici, et puis, les filles, elles m'ont dit, ah ben non, tu peux pas la montrer, c'est des surprises. Alors, ok, ce sont des surprises, mais j'ai vu qu'il y avait des commentaires de certaines d'entre vous qui avaient envie de savoir, de connaître un petit peu le contenu. Alors, je vais être super rapide. Anne-Cécile, Marion, vous pouvez compter sur moi. Elles sont toutes les deux dans la salle à côté, mais je vais faire super vite. Alors, tu vas enlever, mais attention les yeux, soyez rapides, hein. Quelques à droite. Anne-Marie, vous Des quatre l'avez à droite. à droite. Vous l'avez reçue, Anne-Marie, et vous êtes contente. Vous êtes trop bien. Allez, on y va? Attention, Juste on est quelques vite. secondes. 1, 2, 3, soleil. On y va? Ben, ça y est, hein, c'est parti, là. Salut. Ah là, voilà. Alors, regardez, j'enlève. Et là voilà, donc vous voyez, il y a des kits, il y a des easy custos, des surprises, tout plein de jolies choses. Et franchement, vous ne serez pas déçus. En plus, je me suis fait plaisir à broder ces modèles. Et pourquoi c'est à l'envers le nom? Ah ben non, ben voilà, bonne fête maman, c'est là. Ok, so it's made. Ah, attention, c'est trop. C'est trop, c'est trop, au secours. Marion qui intervient pour que je l'enlève vite. On est d'accord. Je peux pas faire qu'est-ce que je veux. C'était trop long. Donc voilà, vous avez vu, il y a tout plein de choses. It's made up of kits, printed fabric and easy custo. Alors, j'ai pas ma petite souris, j'essaie de la récupérer. And the pretty surprise. Está compuesto por kits, telas imprimas y easy custo también. Y muchas cosas. La dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est la porte ouverte, les portes ouvertes de l'atelier, les vendredis 20 et les samedis 21 à Bourgoin. Donc, si vous avez l'occasion de Les venir nous 20 et voir, 21 quoi? bah, du mois de mai. 20 et 21 mai. Ah Mais oui, d'accord, mais c'est ouais. ça. Ok. Vous pourrez venir nous voir. Je serai là, complètement disponible. Vous venez avec vos ouvrages. On peut regarder les points qui vous plaisent, les points avec lesquels vous avez des difficultés. Et voilà, il n'y aura pas de... C'est nos limites, je serai là pour vous. Donc, si vous êtes entre copines, vous pouvez faire du covoiturage. Et puis, voilà. Allez, on y va. Ah oui, dernière chose pour celles qui habitent dans le Nord. Je pense donc aussi aux Belges, parce qu'en fait, on va organiser un cours de broderie les vendredis 10 juin et samedi 11 juin à la boutique Au fil de mes rêves. C'est à Lavantie, Lavantie, c'est près de Lille. Donc, c'est un stage de 6 heures pendant lequel on va partager des moments de, bah de on va partager des moments de bonheur, broder, papoter, enseigner, apprendre. Moi, je serai derrière votre épaule pour de vrai, à vous conseiller et à vous donner plein d'astuces pour que vos points soient encore plus jolis et encore plus régulier. Voilà, on y va? On va commencer donc notre SAL. Let's talk about our SAL. And ahora hablemos del SAL. Salut Catherine, salut Annie. Bon, j'ai donné plein plein d'infos, donc vous regarderez le live en replay, hein, vous savez qu'il reste en replay. Donc, no se olviden de dar a me gusta, Annie. Évidemment, don't forget to like and to share the live. Et je compte sur vous pour les likes. On est à combien? Ah ben non, il n'y a que 99 likes. Vous êtes 238. Allez au boulot, tout le monde. Ah, Daniel, vous venez. Eh ben super au cours. Allez, on est à 100 likes. Moi, j'attends, j'attends. Je vois monter, j'attends.
Je compte sur vous. Allez, on y va. Donc, ce... ah oui, alors, Marion, elle partage. C'est la boutique au fil de mes rêves. Si vous avez des informations, si vous avez des informations à nous demander, vous nous envoyez un mail. On vous donnera le lien direct sur la boutique. Hein. Alors, ce SAL Colibri, qui est là, il est juste là. J'ai mis tout en bleu aujourd'hui. Hein. Il va donc se dérouler en 6 lives. Tous les lundis à 15h, it will take place in 6 live each Monday et tendrá lugar en 6 live y todos el lunes. Nous allons donc travailler par... tu me fais des blagues, hein? Nous allons travailler par partie et non par point. We are going to work by part and not by stitches and vamos a trabajar por partes y no por puntos. Hein. Comme ça, vous n'allez pas broder du point de tige à ne plus savoir quoi en faire. Bon dia, Rosana del Brésil. Peux-tu repréciser ce que veut dire SAL? Alors, un SAL, Nathalie, ça veut dire stitch along, ça veut dire qu'on brode ensemble. Je vous donne des étapes et on brode cet ouvrage au fur et à mesure, tout ensemble. Voilà, j'espère. Et ben voilà, c'est dit. Donc, cet ouvrage du Colibri, il est hyper accessible et il est rapide à réaliser. Alors, s'il y a des débutantes, vous me faites un petit signe. Moi, j'aimerais bien vous voir parce que je vais être encore plus attentive à vos commentaires. Il est accessible, il est rapide à réaliser et pour vous, les débutantes, il est juste parfait. This is a very accessible labor and quick to make it. And for you beginners, it's just perfect. Et este es un bordado muy, muy accessible y rápido de hacer. Y para los principiantes, es solamente perfecto. Alors, plus nous allons avancer et moins nous aurons de points à découvrir et plus nous en aurons à réviser. Donc aujourd'hui, on a pas mal de travail. Ah ben, je vois que vous vous dites bonjour les unes et les autres. Super. Donc, ben, sans aucun doute, hein, vous allez devenir des pros du point de tige, du point de chaînette, du point de nœud, du point de bouclette, du point de poste et plein d'autres. You will become the perfect professional of stem stitch, chain stitch, French knot, lazy daisy stitch, a bullion and many others. And te convertirás en un profesional en puntadas de tallo, de cadeneta, de nudo, de flor y muchos otros. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live et aussi dans vos posts et vos commentaires. Tu me dis s'il y a des débutantes, Karim, hein? J'en vois pas un. Hein? Don't hesitate to ask your questions during the live and also after in your post and comments. Y no dudes a hacer tus preguntas durante el live, pero también después. Hola del Chile. Hola Marcela. En tus publicaciones y comentarios. Alors, le but, c'est bien d'apprendre et de se faire plaisir. The goal is to learn and have fun. And el objetivo es de aprender y divertirse. Et là, il y en a plein qui vont me dire, mais quand est-ce qu'elle va commencer? On est déjà à 20 minutes. Donc, la dernière chose que je voulais partager avec vous, bon ouais, c'est la reprise. Hein. Alors, moi, j'ai des trucs à vous dire. Vous allez découvrir que la communauté du chat est composée de brodeuses internationales qui sont toutes bienveillantes et patientes. La plupart du temps, je n'ai même pas le temps de répondre à vos questions. Elles le font plus vite que moi et bien souvent mieux que moi. Et pour celles qui n'ont pas le temps, je vous l'ai dit, cet ouvrage, il sera ultra rapide à broder. Et pour les non-débutantes, comme la plupart d'entre vous, qui est-ce qui est débutante? Catherine. Alors, on en a des débutantes. Salut Catherine. Ouais, on a l'Argentine. Bon dia, c'est Liliana. Pour les non-débutantes, hein, y a toujours des trucs et des astuces à apprendre. Hein, c'est pas moi, c'est vous qui le dites. Dernière petite remarque, je pense que certaines d'entre vous ont déjà pris de l'avance. Alors, soyez sympas de respecter les étapes dans vos posts. Cela évite de mettre la pression à celles qui débutent. Ne postez, s'il vous plaît, que les points qui concernent l'étape. I think some of you are already ahead, so please be kind to follow the steps in your post. And creo que algunos de ustedes ya están adelantados. Así, por favor, que sean amables de seguir los pasos en sus publicaciones. Allez, on y va? Un petit coup de thé et je suis là.
Hola, Conchi. Alors, on va découvrir les trois possibilités pour broder cet ouvrage. Let's now discover the three possibilities to embroider this work. And vamos a descubrir ahora los tres posibilidades para abordar este labor. Donc, vous avez le PDF, hein, il est à télécharger et à reproduire sur la toile de votre choix. You have the PDF, it is to download, then to reproduce on the fabric. Y el PDF es para descargar, luego para reproducir en la tela. Ensuite, vous avez, tiens mon amoureux, je peux te donner ça? Voilà, vous avez la toile imprimée avec les explications, the printed fabric with the explanation, y la tela impresa con las explicaciones, solo, ok? Et puis ensuite, vous avez, je sais que vous êtes nombreuses à avoir fait ce choix, mais on essaie de vous laisser le maximum de choix, justement. Donc, vous avez le kit complet, el kit completo, et the complete kit. Alors, avec tout à l'intérieur, le cercle, les fils et les explications. Domundo, hola, Rosangela. Le kit. Ah ben, je l'ai enlevé, donc c'est pas grave. Je vais vous montrer. Non, mais ça va aller, mon amoureux. Je veux bien que tu enlèves mon portrait, comme ça je vais montrer comment on commence. Alors, me voy a explicar cómo se pasa con el kit, and I'm going to explain you how it's happened with the kit. Ok? Alors, sur la première page ici, vous avez des couleurs différentes, diferentes colores. We have different colors qui correspondent aux différents lives. Nous allons voir aujourd'hui le live 1 en vert. Today we are going to see the live 1, the green part. And ahora vamos a ver el live 1 en color verde. Por aquí. Hop, titi. Oui. Taille du cercle. Le cercle est de 30 cm. El bastidor es de 30 cm. And the hoop is 30 cm. Voilà, ben voilà, j'ai dit, Armelle, elle a déjà répondu. donc, vous avez ici la carte des couleurs, the color chart and la carta des colores. Et pour celles qui débutent et qui ne connaissent pas notre kit, alors peut-être qu'on peut faire un gros plan, mon amoureux. Vous avez ici les couleurs de fil, the color of the thread, el color de los hilos. Alors, hop, attendez. Voilà, parfait. Où est-ce que je suis? Je suis ici. Et ici, quand vous voyez le petit numéro juste ici, excusez-moi, c'est le nombre de fils. Es el nombre aquí, el número de los hilos. And this is the number of thread of the same color. Ok, on finit vers 16h, je crois. Je ne suis pas sûre que je sois prête à 16h, hein, mais pas du tout même. Voilà, donc nous allons commencer, tu peux enlever le... Voilà, nous allons commencer par broder aujourd'hui. Vous prenez la fiche 1, you take the first fish. Alors, on ne voit pas. Hein, ok. C'est trop beau. Encore, ok, encore, ok, encore, ok, 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 sorry. You take the number 1 and tomar la ficha técnica 1. Ok, et nous allons commencer par le point de tige couleur 32. Alors, on voit pas très clair, mais si je remonte, on va peut-être pouvoir voir, non? Non, laisse-le. Ça va, on voit? Je peux faire un zoom si tu veux. Bon, après, j'ai peur que ce soit trop gros. So, you take the color 33 and tomar el color 32. Ok, alors, je vais vous montrer pour commencer comment commencer avec un fil. Alors, on y va. On va prendre la couleur 32. You take your thread. Just one. And tomar un hilo pour les débutantes. J'espère que c'est assez grand. Tu veux faire un zoom intermédiaire? Je veux bien.
et vous l'accompagnez jusqu'au bout. Voilà, donc ce que je vais vous montrer, c'est la méthode de la boucle. The first, I'm going to show you the loop method and vamos a ver el método del lasso. Donc avec un fil, les fils font un mètre, donc vous pliez votre fil en deux. The thread are by one meter, un metro, and you fold it in two parts, and pligar el hilo en dos partes. Vous allez prendre votre aiguille. Et vous allez passer les deux extrémités dans le chat de l'aiguille. So you thread your needle with the two tails ends y pasar los dos extremidades del hilo por el ojo de la aguja. Ok? Vous allez placer votre cercle. Alors, je vais enlever mon petit colibri. Donc, ce que nous allons faire, c'est le point de tige qui est ici. Alors, attendez. Voilà. Nous allons broder ce point de tige. We are going to embroider the stem stitch over there. Y vamos a hacer el punto de tallo. OK? Alors, j'enlève. Voilà. Je vais déplacer mon cercle. Alors, pour les débutantes, vous avez besoin d'un cercle de 10 cm. You place your hoop at the beginning of the line. Je pense qu'on va faire un plan un peu plus important. Alors, vous sortez votre aiguille sur l'endroit. OK, parfait. You bring the needle up to the front. Sacar la agura. Por aquí. Et vous allez repiquer à 2 mm. Y pinchar a 2 mm. Then go down at 2 mm. Point de tige. Ouais, le point de tige. Ah oui, il faut le mettre en haut. Ah, trop bien, tu l'as déjà fait. Alors, une fois sur l'arrière de la toile, vous allez passer l'aiguille dans la boucle. Et vous allez tirer. Once on the back of the fabric, you pass the needle through the loop. OK? Then you pull to secure the thread. Estando en el parte de atrás de la tela, pasar la agura en el lazo y tirar. OK. Vous allez sortir votre aiguille à l'endroit où vous devez commencer. You bring up the needle where your stitch design begin and saque la agura donde comienza su puntada. Est-ce que c'est OK? On va mettre l'écran pour les gauchères. Et nous allons commencer à travailler le point de tige. Alors, vous savez qu'on n'a pas le temps de tout faire. Moi, je vous montre le début. We don't have enough time to make all stitches. No tenemos suficiente tiempo para hacer todo el punto, pero vamos a empezar. Alors, je me mets ici. Est-ce qu'on a besoin d'un plan un peu plus grand? Je peux faire un grand zoom, si tu le veux. Ouais, je pense, hein, parce que c'est petit, c'est pas assez petit, là. Alors, hop, nous allons faire un grand zoom. Par contre, il va pas falloir que je bouge trop, moi. Je vais me tenir du champ. Regarde ton ordinateur, toujours. Oh là 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 là, attends, il faut que je me place. Descends, descends, descends. Et on peut avoir de la netteté ou pas? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti pour le point de tige. Alors, vous allez, on va travailler pour les droitières, donc de gauche à droite. We are working from the left to the right. Y vamos a trabajar de la izquierda a la derecha. Alors, vous allez piquer, vous gardez bien le fil sous le pouce, et vous allez piquer à quelques millimètres et sortir à la moitié du point. OK? Le fil sous le pouce. Vous allez repiquer un petit peu plus loin et ressortir dans le même trou. So you go down at 2 mm and bring up the needle in the last hole. Pinchar a 2 mm
Y salir la aguja en el último agujero. Eh oui, Marie, je pense à vous, les gauchères. Mais t'es une pro du pointage, Marie, je crois. Allez, on continue. C'est du maxi gros plan. On essaiera de faire un peu intermédiaire la prochaine fois. Donc, vous allez avancer comme ceci. Chaque point doit être de la même longueur et commencer à mi-chemin du point précédent. Each stitch should be the same length and begin halfway along the previous stitch. Alors, les débutantes, hein, si vous avez des questions, c'est le moment, hein. Attendez, je me replace bon, bien. Ouais, c'est bien. Voilà. Cada puntada debe tener la misma longitud y comenzar a la mitad del puntada anterior. Alors, pour les débutantes, hein, au début, bah, les points ne vont pas être très réguliers, mais plus vous allez avancer, et plus ils vont l'être. On a donc des gauchères avec nous. Super. Oh oui. Ouais. Il est fatigué, Karim. Hein, il baille, il baille. Je ne baille pas, là. Ah bon, t'as pas baillé? Mais tu peux pas broder et me regarder un peu. Allez, on y va, on avance. La digestion. C'est qui, Ola, pour Avida? C'est quoi comme drapeau, ça, qu'on voit? Vous savez que vous êtes nombreuses du monde entier. Hein. On en a vendu, bah, du coup, comme il y a le PDF, bah, de partout. En Asie, en Amérique, partout en Europe. Diro que muchas señoras comprando este kit de todo el mundo. And I just say that a lot of people from other countries bought this PDF. Salut Malika, super Malika, qui a réussi tous ses examens, qui va commencer sa nouvelle vie. On est trop contente pour toi, Malika. La digestion des fraises. Ah ouais, Odile, elles étaient trop bonnes, ces fraises. On est resté à la Bégude pour notre petite semaine de vacances. On a navigué sur la Drôme et l'Ardèche. Et on a trouvé des petits producteurs de fraises et des producteurs d'iris. Vous avez vu, c'était... c'est les yeux de l'amour. Il semblait que dans un virage, le fil était en haut dans le point de tige. Non, Brigitte, hein, il est toujours en bas. Après, si vous avez envie de le broder en haut, vous pouvez. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'il soit toujours en haut. Sinon, il ne va pas être beau, votre point de tige. Attention, je me redécale. Allez, on continue. Je vais faire mes points un petit peu plus grands. Hein, parce que sinon, moi, je n'aurai jamais terminé à 4 heures. C'est maman qui a attendu. Très beau les iris. Oh, Odile, alors vous y allez, c'est à 20 minutes de la maison et vous choisissez celles qui vous plaisent, ils vous les déterrent, ils vont même pas par correspondance, ils les envoient. Et c'était pas cher du tout. Hein. So enjoying this, I miss all of you. Oh, Hélène, how are you, Hélène? Ah, j'ai rentré une boutique en Norvège, là, il n'y a pas longtemps. We are going to work with a Norway shop in a few days. I think she passed the order. Y para la señora que vive en Barcelona, ahora tenemos una tienda que vende los kits de un chat dans l'aiguille. También. Oh, mais moi, j'avais prévu 17 heures, alors on a le temps. Mais j'ai plein de trucs à faire. Ça, c'est une habituée du live. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bon dia. Remonte, il y avait un petit commentaire du Brésil. Para la señora de Brésil, I don't know if I need to speak in English or Spanish, but ahora puedes comprar en la página web. Hein? Es fácil y enviamos en el Brasil. A Marta y Eloisa. Voilà, on arrive à la fin. We are going to stop to secure the thread. Hola Isabelle. And vamos a rematar el punto. Alors,
Vous piquez à la fin, tu peux enlever le plomb pour gauchère. You go down at the end. Vamos al final de la linea. Vous tournez votre ouvrage. You turn. Y pasamos dentro los puntos. Vous passez sous 2-3 points. You just slide. Under 2 or 3 stitches and you cut. Et à Lisboa, si, à Lisbonne aussi, en el Portugal. Si, si. Si tu quieres la direction, tu puedes mandar un email, Simone. Allez, c'est tout bon pour le point de tige. Alors, on va... Alors, moi, j'ai pris de l'avance hein, ici. Mais donc, vous allez devoir broder pour la prochaine étape les points de tige qui sont ici. For the next step, next SL, you need to embroider all stem stitch. And por el próximo live, necesitamos de bordar todos los puntos de tallo. Los contornos, hein? All outline, vous aurez besoin de broder tous vos points de tige. Et moi, j'ai commencé, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai commencé à broder ces points de tige-là, le vert et le bleu. Donc, nous allons maintenant... I just say that I embroider those two lines just to have time before to embroider other stitches. And dire, ok, bordo antes los dos lineas de punto de tallo para... permitir de hacer los otros puntos. Ah, j'ai vu un petit commentaire. Tu peux remonter, Karim? Allez, c'est tout bon pour le point de tige. Hein? J'ai vu un petit commentaire du Brésil. Hein? Que bon que agora compraremos directamente sus kits. Si, Maria, es facile ahora. ben, maintenant, on va faire nos petits... Point de bouclette, vamos a hacer los puntos de flor por aquí. Yups, 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 aquí. And we are going to embroider the lazy daisy stitch. La couleur est le 3809. The good color is 3809. Y el color es 3809. À quand la suite des 9 carrés? Oh, alors, Catherine, avant les 9 carrés, il y a la couronne d'automne, ok? Et les 9 carrés, je pense qu'il faut que je les dessine, ce sera pour le mois de novembre, je pense. Ok? Allez, on y va. Donc, 3809, on est sur du bleu. Du bleu. Hop! Alors, vous savez que pour les prochains lives, on va répéter hein, les points. Hein, donc, vous inquiétez pas si vous êtes en difficulté. On travaillera ensemble. Allez, vamos a empezar. El punto de flor. And we are going to start the lazy daisy stitch. Alors, nous allons commencer à bloquer notre fil. We are going to secure the thread. Vamos a bloquear el hilo. Alors, pasando los hilos. You just passed inside those stitch just to secure. Comme ceci, ok? La couronne d'automne sera en SL. Oui, Mariette, Armel, ça y est, ça y est. La couronne d'automne, c'est en septembre. On la commence mi-septembre. Peut-on faire la bouclette sans avoir fait la tige? Alors, oui, vous pouvez, mais ça fera un effet un petit peu différent. Je vous invite à essayer, ok? Moi, j'ai l'habitude de broder plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Mais faites l'expérience, comme ça, vous verrez ce qui vous plaît. Allez, on y va. Alors, hop. Alors, le point de bouclette, il se travaille de haut en bas. It's work from top to bottom. And we are going to embroider. Ben non, je l'ai déjà dit en anglais, ça va pas du tout. El punto de flor se trabaja de arriba hacia abajo. Ok? Alors, vous allez sortir l'aiguille sur le devant. You bring the thread to the front. And sacar la agura en el frente. On va mettre l'écran pour les gauchères, s'il te plaît, Karim. Ouais, et gauchère, Jacqueline, s'il vous plaît. Ouais, on arrive.
Ok, alors le fil sous le pouce, hein, c'est super important. You keep the thread under the left thumb and mantenga el hilo por debajo del pulgar. Et vous allez piquer dans le même trou. You go inside the same hole y pinchar en el mismo agujero. Et vous allez ressortir au bout de la boucle. And you emerge at the end of the loop. And luego sale el final del pétale. Alors, ce qui est super important pour tout le monde, hein, c'est de tirer au ras de la toile. Vraiment, vous tirez doucement et tout en bas. Vous n'allez surtout pas tirer vers le haut. C'est très important. Diro solamente que... Alors, excusez-moi, pour finir le point, vous faites un tout petit point derrière. Just a small stitch after the loop. Et un pequeño punto after... después el buclete. Oh, je mélange l'anglais, l'espagnol, mon Dieu, mais je suis sûre que vous comprenez. After, avec le R qui roule, ça fait bien. After. After the night. After the night. Tu pourrais descendre un petit peu, par contre. Dire ok. Ouais, es un mix d'espagnol, d'anglais y de français. I just say that I mixed French, English and Spanish. Vivement le japonais. Oh non, pas le japonais. Alors, regardez, je recommence. Ok? Bonjour, Christine. Allez, on avance. Alors, quand votre fil est foncé, when the thread is dark and cuando el hilo es oscuro, vous pouvez passer sous les points, là. You slide until the place you need to emerge. And pasamos dentro los puntos hasta el sitio donde empezamos el otro punto. Pourquoi pas l'italien? Oh, mais non, je ne le parle plus à l'italien. Tu peux ranger ta toile correctement, s'il te plaît? Est-ce que je peux faire quoi, tu dis? Voilà. En plus, je me fais disputer. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Un peu d'ordre, un peu d'ordre. Allez, on y va? Una cosa muy importante es de tirar al ras de la tela, nunca por arriba. I just say that what is very important is to pull close the fabric, never to the top. Look, you pull just close the fabric, okay? Jean Jourdan, il est au travail et il écoute. Allez, on continue? On en fait encore quelques-unes ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Elle est indisciplinée, Christelle. Bon, non, mais moi, je suis trop contente de vous retrouver. Comment ça, c'est un pléonasme? Qui c'est qui donne de l'eau au moulin de Karim Benouri? Très bien. Si se puede enviar a Mexico, puedes comprar directamente. Si, tu puedes comprar directamente. Ah mais attends, c'est un chat dans l'aiguille qui a mis le commentaire, c'est Marion. Allez, on y va. Tu peux descendre un peu s'il te plaît. Ouais. Bah, je pense que peut-être qu'on peut enlever le gros plan là. Parce qu'elles ont compris comment... Pour les prochains points, on en aura besoin. C'est peut-être préférable de rester comme ça pour l'instant, comme tu veux. Ben moi, je suis très limitée dans mes mouvements, en fait. Hein. Allez, je connais lui. Check Karim. Dominique, comment ça, check Karim hein? J'entends la porte qui s'ouvre. Quand la porte s'ouvre, c'est que quelqu'un de l'atelier vient me dire quelque chose. Hop, attention. Non. On va désongler. Voilà. C'est normal. Ah oui, il faut aller vite. Voyons. Ouais, il faut vraiment qu'on trouve une position intermédiaire parce que là, on ne voit rien en fait. Hein. On ne voit rien. Ou alors, moi, je monte un peu plus comme ça. C'est bien là ou pas? Oui, c'est pas mal, mais pour les détails, on... Ouais, vous avez compris comment ça se passe. Allez, je vais arrêter mon point de bouclette. I'm going to stop
The Lazy Daisy Stitch. Y me voy a rematar el punto de flor. Vous le continuerez tranquillement chez vous. Alors, hop, c'est une toile. Alors, Marion, c'est du coton, mais c'est du lin aussi. Hein, c'est un métis. 50% coton, 50% lin. Alors, pour arrêter, bah, vous allez tout simplement passer sous les points. Just to secure the thread, you pass under two previous stitches. Y por rematar, pasamos dentro tres puntos. Y cortamos. Voilà. Et vous coupez votre fil. Avec des ciseaux qui coupent. C'est mes anciens ciseaux, ça va pas du tout. Pourquoi tu ris? Est-ce que tu veux que j'aille à la boutique chercher des ciseaux? Ben, c'est les miens, mais ils traînent depuis un moment. Non, mais regarde, j'ai mon petit coupe-fil. Oh là là, il arrête pas de se moquer de moi. Alors, on y va? Maintenant, nous allons voir le troisième point. Vamos a ver el punto siguiente. And we are going to prepare the next stitch. Hein. C'est le point de chaînette qui est là. El punto de cadeneta, the chain stitch, le point de chaînette. Hein. Et la couleur, c'est la couleur 3848. The color is 3848. Oh là, je l'ai dit d'un seul coup. Et el color es 3848. Vous me voyez, Catherine. Pourquoi elle dit vous me voyez? Je comprends rien du tout. Hein. Catherine, je crois qu'elle a parlé d'un message. Avez-vous vu mon message? On attend les œuvres de Karim, dit Anne. Il avance. Hier soir, il brodait. Hein. Alors, vous le voyez point. Mon petit message astuce, Catherine. Pour celles qui se piquent et tâchent leur ouvrage de sang, cela m'est arrivé, c'est la panique dans ce cas. Petite astuce qui nous sauve, il faut saliver et cracher sur la tâche. Ah, j'avais vu ça. Hein. Donc, mesdames, si vous avez un petit peu de sang sur votre ouvrage, vous crachez sur votre ouvrage, vous salivez, puis vous crachez délicatement et ça part. Mais j'avais déjà entendu ça, Catherine, ouais. Mais où est le petit ciseau? Eh bien, en fait, mon petit ciseau, il marche plus. Je ne sais pas, j'ai dû couper des trucs pas bien avec. Donc, du coup, j'ai mon coupe-fil là avec moi. Alors, je sens que ça va m'enlever plein de traumatismes de l'enfance. Quand ma mère et les bonnes sœurs s'énervaient parce que je ne comprenais pas comment faire des points aussi beaux que les leurs. Bonne journée à tous. Ici, on se lève à peine. Ah, ben, bonne journée. Bonne matinée, Christine. Il faut mettre le dé au doigt. Ça marche. Allez, je vous laisse papoter. On va faire notre point de chaînette, donc c'est celui-ci. Il est là. Mon amoureux m'a abandonnée, donc j'attends qu'il revienne pour qu'on puisse passer sur le gros plan. Ok? Cracher surtout après avoir bu du café. Avec eau physiologique, ça marche aussi. Et un coton-tige. Et ben voilà, on a toujours... merci Odile hein, pour votre bon conseil. On a toujours des conseils sympas. Alors, mon amoureux, tu m'as abandonné. Bien sûr. Eh oui. Alors, on y va pour le point de... ah ben voilà, je reviens avec des beaux ciseaux. Tout neuf. J'y traîne partout mes ciseaux. On attaque le point de chaînette. Tu veux bien me mettre le point de chaînette et puis on va faire un gros plan. Il est déjà mis le point de chaînette. Voilà, très bien. T'es un peu en retard. Allez, on y va. On va faire un gros plan. Oui. S'il te plaît, sans les gauchères. Il cherche les ciseaux. Ben bah ouais, Armel, vous suivez. Hein. Alors, on va faire un gros plan. Attention, on va le raconter. Ouais. C'est parti. Ok. Ouais. Qué linda, me encantada cuando dice agurejo. ¿Por qué te encantada? Agurejo. Ici, agurejo, mesdames, si vous voulez que Dominique rigole, ben, entraînez-vous à dire agurejo. Vous me faites toujours rire, trop sympa. Allez, on y va, on sort l'aiguille. Vamos a empezar el punto de cadeneta. Alors, we are going to start the chain stitch. Donc, vous sortez votre aiguille au début.
Vous piquez à côté? Salir et pinchar. You emerge and go down. Yeps, pardon. Et vous passez à l'intérieur de la boucle. Then you pass inside and pasamos dentro el lazo. Je dois vous laisser. Salut Françoise. ¿Por qué es agujero? Eh bien, agujero, c'est un trou. Es un agujero en la tela. Alors, vous allez. Le salon de Porte de Versailles, c'est bien en novembre, ouais, Hermel. Donc, vous allez. Voilà, décale-toi un petit peu à droite. Sortir pour les gauchères. Votre aiguille sur le devant. You bring the thread to the front. Y sacar la aguja. Vous gardez bien le fil sous le pouce. You keep the thread, OK, under the left thumb and mantega el hilo. Alors, on ne va pas dire agurero, mais vous piquez dans le même trou. Alors, comment je vais dire pinchar en el mismo sitio, no agurero, sitio? You just go down in the same hole et vous piquez, vous ressortez votre aiguille. C'est comme un point de bouclette, mais plus petit. Hein? Un petit peu plus loin. Es como un punto de bucleta. Pero más pequeño. Et vous piquez maintenant à l'intérieur du point et vous ressortez un peu plus loin. Ah bah oui, Armel, vous vous inscrirez à nos cours, hein. Enfin nos démonstrations, nos initiations. Alors, vous tournez. You turn the hoop. You go inside the previous stitches and emerge just few millimeters after. Et pour ce point, mesdames les débutantes, j'entends pas les débutantes, je vois pas de commentaires, les entendre évidemment. Yo entiendo, decía, se te escucha lindo, agorero, pero la palabra es agorero. Ok, gracias Cecilia. Cecilia, elle dit qu'elle a parfaitement compris ce que je voulais dire, mais qu'elle aime bien la manière dont je le dis, avec mon accent. Tu peux descendre un petit peu. Ouais. Alors, pour les débutantes, hein, c'est comme pour le point de bouclette, vous tirez bien au ras de la toile hein, et jamais vers le haut, sinon votre point il va devenir tout petit. El más importante por este punto es de tirar para ti y a la ras de la tela, hein, nunca por abajo. Et vous suivez le dessin. I just say that you need, it's very important to pull to you it close the fabric. Hein? It's the same for the lazy daisy stitch. Et vous allez continuer comme ceci. Alors, vous voyez que c'est un peu plus délicat parce que les points, on suit. Il vient de tomber. Ah, mon Dieu! Karim, il me fait des cascades. Est-ce qu'il y a eu un commentaire? Agu de agura, agurero. Votre accent est tout à fait charmant. Moi, j'ai pas d'accent, j'ai un accent français. Il m'a fait rire. Karim a just a problem. Comme on dit, il est tombé. He fall off his chair. Et Karim, tengo un problema. No sé cómo se dice en espagnol, pero... il est tombé. Alors, je vais suivre car vous expliquez bien. Bah oui, Laurence, hein, suivez-nous. Non, c'était pas Reiki, Jen, c'est Karine qui tombe de la chaise. Il tombe de sommeil. Ah non, Jacqueline, non, je tombe pas de sommeil. Hein. Mais si. C'est à cause du commentaire. Allez, vous continuez tranquillement. On continue tranquillement. Je vais arrêter là parce que je n'ai pas le temps de tout finir. Hein. Il nous reste encore des points à voir. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Mais j'ai compris, Jen. J'ai mon accent français.
En fait, j'essaie de parler anglais et espagnol comme je parle français. Buenos días en Costa Rica. Buen días. Buenos días, Marta. Costa Rica. Oh, a mí me gusta visitar. Oups, j'ai glissé, chef. C'est ça. C'est exactement ça. Non, mais je te jure. On pourrait faire le live numéro 2 là-bas. Au Costa Rica? Bah oui. Ah oui! Karim dit que podemos hacer el próximo live en Costa Rica. Es una buena idea. J'adorerais. Ou au Chili. On va partir là, ouais, on va partir faire un salon à Chicago, un salon pro là, je vous disais. On va partir avec Marion et Karim bientôt. Allez, vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Hein. Necesitamos de continuar hasta el final de la línea. And you just have to finish at the end. Just follow the line and stop just here. Alors nous, on va stopper avant. Donc pour stopper, comme pour le point de bouclette, vous faites un petit point ici. OK, just to finish, just make a small stitch after the loop, the last loop, and por rematar solamente un pequeño punto, después el último punto. Ah, te espero, a mí me gusta, Marta. Hop. On y va? On finit? Vous passez sous trois points et vous coupez. Allez, on repasse sous un plan un peu plus important. Combien de points il nous reste là? Parce que l'heure arrive à grands pas. Un petit peu de thé. Je me mets dans vos valises. Oh, bah, à mon avis, il va en falloir des valoches, hein, parce qu'il y a du monde qui va vouloir venir. Hein. Oh. Ouais, Elsa, ça fait du bien de se retrouver. Seban, ah, attends, il y avait un petit commentaire en espagnol. Juste avant Elsa, elle disait Seban, ah ben je l'ai plus, encore Namor, encore. Seban a enamorar de este pequeño para. Ça veut dire quoi, Seban a enamorar, que je vais adorer, c'est ça? C'est sûr. Alors, on va faire maintenant le point avant. We are going to make the. Ah, t'as changé de. The Hilban Stitch, y vamos a hacer el punto de Hilban, qui est ici. Alors, en fait, ce n'était pas moi que je voulais voir, c'était la fiche technique, mon amoureux. Voilà, el próximo punto es aquí. Donc, c'est le point avant avec la couleur 924. Le kit libellule ou scarabée est aussi pour débutantes. Bah oui, Catherine, vous allez faire beaucoup de points de nœuds. On va le voir, le point de nœud. Les points sont toujours simples. Hein. Ce sont les points qu'on voit aujourd'hui, je crois même. Peut-être qu'il y en a un ou deux de plus. Hein. Mais après, bah, il y a plus de points. Luego, luego, querían estar en las playas. Ah, mi me gusta también. Oh là là, un petit coucou. Ah, La Rochelle, salut Claudine. Alors, vamos a hacer el punto de Hilban con el color 924 and we are going to start the running stitch with the color 900, 900, sorry, 924. OK? Alors, bah, il est hyper simple, hein? Vous pouvez garder le fil tant qu'il n'est pas fini. Un petit, bah oui. Ah oui, vous les gardez les fils et vous pouvez après les enfiler, les passer sous les points déjà brodés. Je vous invite à regarder pour toutes celles qui débutent les lives de l'instant T, les tout premiers. Je donne mais tous les détails qu'il faut. Ah, vous avez reçu. J'aime beaucoup. J'ai reçu ces kits pour ma fête des mères. Déjà, Catherine, trop bien. C'est bien si vous êtes contente. Alors, pour commencer, vous allez sortir ici. Alors, on va même tricher, regardez, on va faire le point directement. Donc, salir al principio y pinchar
al final del pequeño punto, vous allez piquer à la fin du premier point avant. You just bring up the needle at the beginning of the first stitch and go down at the end. Toujours de fil. Hop, vous allez, pardon, sortir passer l'aiguille à l'intérieur et là on a donc notre premier point qui est brodé. Ok, alors je tourne mon ouvrage, excusez-moi. Alors le point avant, il est très simple, hein. This is a very simple stitch. Il n'y a pas besoin d'écran pour les gauchères. Es un punto muy muy facile. Vous allez sortir et vous piquez et vous sortez directement. Pinchar y salir directamente. Go down and bring the needle up directly. Et vous avancez. Ah, tu me l'as mis quand même pour les gauchers. Eh ben oui. Ouais, mes amis gauchers. Hein. Ouais. On a notre petit... Combien il y a de gauchères? Oh, ben non. Oh, si. Ben, j'ai déjà Marie, ma petite Marie, du Québec. Vous savez, pour les Québécoises, que grâce à Marie, je vous ai fait une petite Salomé québécoise. Ah, j'aurais pu vous la montrer, d'ailleurs, aujourd'hui. Elle fera partie des prochaines nouveautés. Eh bien, ce sera pour le live numéro 2. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on ne l'a pas là. Il faut que j'aille la chercher. Non, mais je crois qu'il est là. Il est juste dessous. Ah oui, à la fin du live, je vais vous montrer des nouveautés. At the end of the live, I will show you some new model for the previous, for the next collection. Y hasta el final del live, me voy a enseñar nuevos modelos. Gauchère, Andrea, gauchère. Ouais, Jen Jen, hein. C'est vraiment grâce à Marie. Hein. Elle m'a... Oups, pardon. Ouais, parfait. Elle m'a demandé cette petite Québécoise. Alors, j'en ai fait plein d'autres, des étrangères. J'ai l'Irlandaise, la Londonaise, l'Écossaise, l'Indienne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? L'Espagnol, Tango Una, Salomé, Espagnol. Mais ça, à part la Québécoise, elles sortiront toutes l'année prochaine, puisque j'ai pas le temps, là. Et là, on ne met pas le fil sous le pouce. Non. Non, tu mets pas le fil sous le pouce, parce que regarde, si tu mets le fil sous le pouce, tu fais comment pour avancer? Enfin, si tu pourrais, comme ça. Non, moi, je le mets en haut. Allez, est-ce que c'est tout bon pour le point? Ya ou la Québécoise? Merci, Marie. Marie, est-ce que tu es avec nous? Marie, elle a besoin qu'on lui remonte le moral en ce moment, je crois. Je suis contente, elle s'est remise à broder. Fais-nous un petit coucou, Marie. Et Julie, Julie de Moscou, qui n'est plus à Moscou, t'es toujours là avec nous? J'ai fait la connaissance de Julie à Sitges. Elle est venue nous aider sur le stand, on a passé un super moment. Elle est venue tous les jours, elle ne voulait plus s'arrêter. Elle nous a même aidé à monter le stand, à démonter le stand. Dis-moi si elle répond, Julie. Salut Véronique, qui nous fait pas le colibri? Ben pourquoi vous faites pas le colibri avec nous? Ah, alors on a Marie et Julie qui nous ont abandonnés. Linda, ma petite Marie. Ouais, je sais qu'elle t'a vue. C'est génial, hein, c'est live. Ça a permis à plein d'entre vous de... Ah, Julie, elle est toujours là. Ça a permis à plein de dames de se rencontrer. Ben ouais, Julie, j'ai fait sa connaissance d'elle et de son mari charmant. Et elle est au top. Elle nous a assistés pendant les 4 jours de salon à Sitges. En fait, t'es en train de finir ton point. J'arrête, ouais. À Blando, qui est... Oh, je ne sais pas comment dire en espagnol. Allez, au pic. Bonjour Elsa. Ah ben Julie, elle est en Grèce.
Ouais, je sais que tu es en Grèce. J'ai dit, je vais peut-être partir en vacances en Grèce au mois de juillet. Pourquoi peut-être? Ah ouais, on part en C'est Grèce. logique. Tu me diras où t'es. Allez, le petit point avant, il est fini. Alors maintenant, on va faire le point de nœud. Next stitch, French knot. El próximo punto, el punto de nudo. Ah ben voilà, vous vous dites bonjour. Mais oui, Elsa, vous aurez le temps, vous inquiétez pas. Alors, le point de nœud, c'est la même couleur. Il est là. El punto de nudo es la misma color. And this is for the French knot. This is the same stitch. C'est pas le point de poste, c'est le point de nœud, Marion. Excuse-moi. Attends, elle doit dormir, je vais la réveiller. Marion. Elle est à fond, elle nous Et remet la tous les Grèce, points c'est du plus coup. chaud que Moscou. Ah ben, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle s'habitue, Julie. Hein. Le point avant, couleur, voilà. Marion. Soupçonne d'avoir mis un petit Allez, on y roman. va? Le point de couleur, le point de nœud 924. Alors, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, comme il y a qu'un seul point de nœud là, hein, donc je vais essayer de vous en faire un et puis je vais vous en faire d'autres à côté. Hein. We just have one French knot stitch, so I'm going to make more all around. And tenemos solamente por esta etapa un punto de nudo. Es decir que vamos, me voy a hacer más. Et la graisse de tata, ça c'est sûr. Et ben voilà, c'est parti sur la graisse. Le point de nœud, j'ai jamais réussi. Elsa, vous allez réussir. Ben oui. Écoutez-moi. Alors on y va. Je vais en faire plein. Je fais un petit trou pour voir où je vais sortir mon aiguille. Gauchère ou pas gauchère? Ouais, on va pouvoir. Attends, laisse-moi juste bloquer mon fil. Pour les débutantes, regardez, c'est une autre manière de commencer, voyez? Non, c'est pas une bonne manière parce que j'ai coupé mon fil. Ah, alors quand on a le fil coupé, comment on fait? Alors, when you have a cut thread, ici los hilos están cortados, vous allez poser. Alors, vous posez vos fils sur l'aiguille. OK? You make a small one turn, una vuelta. Vous gardez le tour de fil sous vos doigts et vous tirez. This is a technique to embroider with a cutting threads. Es una técnica para hacer un pequeño no nudo para utilizar los hilos cortados. Allez, on y va. Je ne connais pas le point de nœud, grâce à vous, je vais apprendre. Mais oui, Laurence. Alors, regardez. Le petit nœud que je viens de faire, il est là. OK? Vous allez passer entre les deux fils, comme si vous utilisiez une boucle. You pass inside the loop. You pasamos dentro el lazo. Et vous coupez. Ça, c'est une manière pour utiliser vos fils, OK? Parabéns pela alegría simpática et didáctica. Muchas gracias, Marta. Alors, on y va pour le point 9. Attention pour les débutantes. Alors, donc, c'est un point qui semble difficile, mais si vous suivez chaque étape, vous allez forcément y arriver. It's not easy to do it. It's looked like, but just follow the step by step and it will be okay for you. Y parece, el punto de nudo parece difícil, pero si seguir cada paso, se va a pasar muy bien. On y va? Alors, on va pas mettre l'écran de gauchère pour l'instant. On en fait un tout simplement. Alors, vous allez sortir le fil sur la toile. You bring the thread to the front y saque al hilo en el frente de la tela. Vous allez tenir le fil entre le pouce et l'index gauche, droit pour les gauchères, à peu près à 3 cm du tissu. OK? Et vous allez poser le fil sur l'aiguille. You keep the thread firmly with the left thumb and index finger about 3 cm away from the fabric. And place the thread, the needle
on the thread. Y mantener el hilo entre el pulgar y el índice izquierdo à 13 cm de la tela. Alors, vous allez faire un tour, deux tours. OK? You wrap twice around the needle et enroller el hilo dos veces. Vous allez piquer à côté. You go down just 1 mm, surtout pas dans le même trou, not in the same hole. Y pinchar a 1 mm. Et là, vous allez tenir votre fil. Tirez, vous levez votre cercle, et vous tirez. Et vous accompagnez jusqu'à la fin. OK? On va recommencer. Je vais vous en faire plusieurs. Et ensuite, on enlèvera... I repeat just for example. Hein? Répétez pour ejemplo. Vous posez votre aiguille, la pointe vers le haut. Vous tournez deux fois. Vous dirigez votre aiguille vers le bas. Surtout pas dans le même trou. Vous abaissez le fil sur la toile. Vous levez votre cercle. Et vous tirez. Écran pour gauchère. Il dort, Karim. C'est moi qui l'ai demandé. Alors maintenant, on va le faire. OK? Il dort, Karim. Il tombe, il dort. Alors, vous sortez votre fil. Vous tenez avec votre main. Vous posez l'aiguille, la pointe vers le haut. Vous tournez deux fois. Vous dirigez l'aiguille vers le bas. Vous abaissez le fil sur la toile. Vous levez votre cercle. Alors maintenant, on va enlever le grand écran, Karim, pour qu'on voit mes doigts, si tu veux bien. C'est fini la sieste. Allez, on y va. Attention, je vais zoomer beaucoup. Hop là. Un momento, hein. On va faire un plan un peu plus grand pour que vous puissiez voir mes mains. Voilà. Parce que c'est très, très important de voir comment je fais. Alors, on y va. Vous tenez le fil, hein. You keep the thread, mantener el hilo. Vous allez enrouler deux fois. You wrap twice and enroller el hilo dos veces. Vous piquez juste à côté. You take the needle to the back at 1 or 2 mm, pinchas, abaissez le fil sur la toile, lower the thread, bajar el hilo sobre la tela, vous levez votre cercle et avec votre main, hop, vous tirez. Alors, est-ce que ça se passe bien pour vous, là? Bon, on est d'accord, hein, tous les points que tu fais, c'est pour montrer. Hein, ouais. Sur la toile. Todos los puntos son ejemplo. Necesitamos solamente uno. Hein. Vous avez compris, pour l'instant, il n'y a qu'un point là hein, à faire. Après, vous les défrayez. Hein. Surtout, ne pas repiquer dans le même trou. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. Merci, Odile, hein, parce que sinon, votre point, il va passer derrière. Hein. OK? El más importante et de no pinchar en el mismo agujero. Wally, salut. Ouais, en retard, mais c'est pas grave. Et Elsa, ça y est, elle pense qu'elle va y réussir, je crois. Alors Elsa, vraiment, il faut respecter les étapes les unes après les autres. OK? On y va tout doucement. L'aiguille, la pointe de l'aiguille est vers le haut. Je tourne deux fois. Je dirige mon aiguille vers le bas. Je pique et j'abaisse le fil sur la toile. Je maintiens avec mon pouce, je lève et je tire. Avez-vous une astuce pour défaire un point de ne raté? Ben, vous le passez derrière la toile, regardez. Alors moi, je l'ai... Voilà, vous allez le... Voyez? Je l'ai passé derrière la toile et vous recommencez. If you make one wrong, just pass behind the fabric. Si el punto, un punto es no bonito, solamente tirar por detrás de la tela y repetir un otro punto.
Voilà, je vais la briefer, Elsa, elle y arrivera. Mais Merci, si, si, Daniel. Elsa, elle a dit ça y est, Mais elle a dit oui. elle a dit Ah oui, c'est bon. ben voilà, trop bien. Vous y allez tout doucement, étape par étape. Et quand vous serez une pro, vous les ferez vite. Regardez. 1, 2, 3, parce qu'on peut faire 2 tours, on peut faire 3 tours. Ok? Bah regardez, ok, voilà, ça y est. Alors pour arrêter, vous tournez et vous passez sous vos poings. Por rematar, pasamos dentro los puntos. To secure, just pass under the stitches. Je sais, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'Espagnols ou de dames d'Amérique du Sud, mais on n'a pas, ça ne speak pas English, hein. Oh, si, si. Ah oui? Yes, we have some people who speak English. People who speak in English, can you let comments, please? I saw Helen, but I didn't see anymore. I would like to know if Tu how les as many loupés. persons do you have? I didn't see your comments, probably. Alors, magnifique, je suis en train de faire le point de nœud depuis que je sais enfin le faire. Ben ouais, Daniel, avec moi, vous allez apprendre plein de trucs. C'est cool, hein? Pas qu'avec moi, bien sûr. Mais avec moi, c'est sympa. Mais pas qu'avec moi, bien sûr. Allez, on y va, le dernier point. Le dernier point, c'est un point de poste. C'est un point qui est un peu délicat. Donc, pour les débutantes, il mérite peut-être, c'est un peu comme le point de nœud, il mérite de pratiquer un peu. We are going to finish the last stitch with the bullion stitch. It's not very easy to do, but you just need to practice. Vamos a hacer el punto de bullion ahora. No es fácil, necesitamos de practicar un poquito, pero después se va muy bien. On y va? Commande de la box passée au début du live. Déjà un mail annonçant l'expédition, mais elles sont au top, hein, les filles à côté. Hein. D'ailleurs, on pourrait leur demander de vous dire un petit bonjour. Qui c'est qui veut voir qui? Qui veut voir qui? Qui Attends, veut tout voir à côté. qui? Ouais? Il y a même Reiki. Ah oui, il y a Reiki avec nous. Tu peux descendre et rester sur la droite, s'il te plaît, pour Alors, me montrer ton coin. gauchère, 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 Jacqueline, un moment. Attends, on n'y est pas. Donc, tu peux descendre. Ouais. Allez, un peu à droite, s'il te plaît. Ici. Voilà, très bien. Hop là. Donc, le point de poste, couleur 989. The good color for the bullion stitch is 989. Y por el punto rococo, es el color 989. Oui, Odile. Eh bien, regardez, Odile, ce que j'ai fait pour vous. Odile, elle me dit tout le temps que pour le point de poste, les aiguilles mode numéro 9 sont juste parfaites. Alors, je vais être honnête avec vous, je l'avais fait qu'une seule fois, puis par facilité, j'utilise toujours les mêmes aiguilles. Hein, et donc, ben, je vais le découvrir avec vous. Je l'avais fait une fois, mais je ne me souviens plus. Alors, on va essayer. Si, Claudine, vous allez y arriver. Salut, Florence, qui nous fait un petit coucou, qui regardera en replay. Dijo que por este punto, Odile dice que es más fácil con los otras agujas. Mode. And for this stitch, we are going to try with the needle mode. Voilà, c'est des aiguilles qui sont beaucoup plus longues. SOS Karim. Dès qu'on se met. À bientôt, Sylvia. Allez, on va prendre notre aiguille et on va y aller tranquillou pour le point de poste. Donc, le point de poste, il est là. Je me mets ici. On va me faire peut-être un peu de netteté et on va y aller très vite. Je vais juste bloquer mon fil. I'm going to secure the thread. Me voy a bloquear el hilo y después vamos a empezar. Non, Myriam, vous allez y arriver. Le fil glisse mieux car le chat ne s'élargit pas. Eh bien oui, c'est pour ça. On va essayer, hein? Alors, on y va. Je lève, je pense qu'il va falloir que tu fasses un peu de netteté parce que je suis obligée de lever un peu mon cercle. Ok. Et on va mettre l'écran pour les gauchères, s'il te plaît. On Est-ce que commence à cette avoir aiguille est dans plus. le kit? Non, mais vous. Moi, je brode aussi avec la numéro 9, donc vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Est-ce que tu as assez de zoom? Tu veux que je Non, il n'y zoome? a pas assez de zoom.
Elle me fait rire, Jacqueline. Gauchère, gauchère, droitière. Oh, t'es patient, mon amoureux. Hop. Allez, on y va? Et il va falloir de la netteté. Et voilà. Allez. Donc, vous allez sortir le fil au début du trait. You pull the thread at the start of the line. Hein, j'ai pas vu de commentaire en anglais. Il s'accarde à l'îlot à l'initio de la linéa. Vous allez piquer à la fin de la ligne. OK? You take, et vous allez ressortir à 1 mm à peu près du premier point. Vous essayez, hein? Comme ceci. OK? You take the needle at the end of the line, then come out at 1 mm from the start of the line. Y pinchas la aguja al final de la línea y luego saca a 1 mm desde el inicio de la línea. Alors, moi, j'enlève le cercle. I don't use the hoop. And no, a mí no me gusta bordar este punto con el bastidor. OK? Faut pas stresser. Et pas trop serrer le fil. Le jour où j'ai compris ça, j'ai réussi mes points de poste. C'est ça, Nadine. On y va tranquillou. Regardez. Voilà. J'ai enlevé mon cercle. OK? Maintenant, vous allez tenir votre aiguille, le chat de l'aiguille entre le pouce et le majeur droit. Tomé el ojo de la aguja entre el pulgar derecho y el dedo medio. Y en tout, you take the needle eyes between the right thumb and middle finger. Et vous allez enrouler ou tourner sans tirer. Don't pull. You wind the thread around the needle. Y enrolle el hilo alrededor de la punta de la aguja. OK? Maintenant, vous allez maintenir. Alors, vous allez me dire combien j'en fais. Je vais peut-être en faire plus. Il faut qu'il y ait autant de surface ici que de toile ici. OK? The number of turns of the thread should be as great as the distance from the fabric to the needle. Y el número de vueltas del hilo debe ser tan grande como la distancia entre la tela y la aguja. Maintenant, vous allez donc maintenir ici les boucles serrées sur l'aiguille avec l'index et le pouce. Je maintiens bien, OK? You keep the loop tight on the needle with your finger y mantega los bucles apretados en la aguja con el dedo. Et vous allez tirer. Et vous commencez à tirer. Mais moi, j'ai tiré trop fort mes bouclettes. Ah, voilà. Vous voyez, vous tirez et vous les gardez bien dessous. Et vous tirez et vous tirez. Comme ceci. Vous tirez jusqu'au bout. Et quand vous ne pouvez plus tirer, vous passez le fil de l'autre côté. Et vous retravaillez vos boucles. Et voilà, il est fait. Alors, on a une question. Ouais. C'est à propos. Quelle différence pour le numéro des aiguilles et comment savoir quel numéro utiliser? Alors, dans le kit, vous avez une aiguille numéro 9. Vous pouvez très bien faire vos points de poste avec. Il n'y a pas de souci. Moi, je les brode tout le temps avec. Là, on brode avec une aiguille mode. C'est une aiguille différente. Parce qu'elle est plus fine en fait et donc c'est plus facile. Mais si vous voulez, je vous montre avec l'aiguille qu'il y a dans le kit et vous verrez, il n'y a aucun problème. Le secret, c'est de pas tirer. Alors, je sors, je pique, je sors. Alors, vous allez me dire combien de tours? Et on va les compter ensemble. 1, et on tire pas. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, voyez mon index, il les garde vers le bas. 9, vers la droite. 10, 11, 12, 13, 14. Allez, 14. Je tiens. Je tire. Et quand je ne peux plus tirer, je bascule de l'autre côté.
Alors, je vous invite pour celles qui ont un peu de difficulté à aller sur notre chaîne YouTube, vous faites point de poste et vous verrez, j'en brode plusieurs. Ok? Voilà notre point de poste. Allez, on en refait encore un. À la fin, je pique et je ressors. Plus vous allez faire de tours, et plus, vous voyez, il y aura ce petit relief-là. Et si vous faites plein plein de tours sur une toute petite distance, il y aura encore plus de relief. Diro que si haces muchas vueltas en una pequeña distancia, hay mucho relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'enlève mon doigt pour que vous puissiez voir. 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, ici, les tours sont là. Je bloque. Et j'empêche, je tire avec mon aiguille et j'empêche, pardon, les fils de passer. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le retour du fil, il doit être assez haut. Avant de commencer, je bascule. Je travaille mon point. Mais tiens, on pose une question pour la fin du point. Ouais. Comment tu finis le point? Alors, regardez, je pique à la fin de la ligne. Pour rematar, pinchar al final. Pas sur le premier trou où tu es passé. Non. Est-ce qu'on peut enlever le zoom? Comme ça, vous allez voir mes mains. Mais oui, Elsa, il y en a plein des points. Hein. Vous allez en apprendre plein. Alors, peut-être dans ce SL, on va en réviser pas mal, hein, de toute façon. Mais il y a plein, plein d'autres points si vous allez sur notre chaîne YouTube. Alors, regardez. Comme ça, vous allez voir mes mains travailler. On va faire un peu de netteté. OK. Donc, je pique, je sors. Mon aiguille vers le haut. Je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Salut Barbara, à la prochaine. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc vous pouvez descendre, vous remonter ou vous descendez, ça n'a aucune importance. Hein. You can make this side and after the other one, one by one. Puedes bordar esta línea y después el otro. El otra. Voilà. Donc, je vous remontre. On va pouvoir enlever le. On va pouvoir enlever l'écran. On va faire un petit. Pas forcément un zoom. I'm going to show you what you need to do for the next live on Monday. Lo que necesitamos de hacer son toda esta partie, se dice, todos los puntos de aquí. Ok, donc vous avez du point de chaînette, du point de tige, du point de. Ici, je vous invite cela à les commencer du centre. Hein. I suggest you to start from the center of the chain stitch, then turn. Diro que es mejor de empezar del centro para afuera, el punto de cadeneta. Voilà. Ah, j'avais pas vu, vous avez deux petits points de nœud ici. Aquí tenemos dos puntos de nudo. Y, you just have two French knots over there. Voilà, alors qu'est-ce que je fais? Je vous montre quelques petites nouveautés avant de partir. Alors, on a dit la québécoise. Est-ce qu'il y a des québécoises encore avec nous? Le livre aussi est très utile car le QR code. Ah, mais oui, mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est que dans le kit, vous avez tous les QR codes aussi. Hein? Inside the kit, you have all the QR codes. Et oui, j'ai oublié. Hein? Tenemos los QR codes en el kit. Un LPDF también. Hein. Donc voilà, ça peut vous aider. Alors, des nouveautés, on y va. Alors d'abord, je vais vous montrer les Québécoises. Ma petite Salomé, sa cabane à sucre qui est en train de manger de l'érable. Ouais. Annie, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'aimez? Il y a du remplissage. Hein. Regardez. Voilà, on l'a fait
avec sa petite cuillère ici, qui mange du sirop d'érable. Et je me suis bien amusée à la faire. Voilà, alors ça, c'est notre petite québécoise. Waouh, si sweet. Qu'est-ce qu'il y a à plat comme ça, tu dis? Oui. Ok. Je montrerai les 3B comme la prochaine fois, peut-être. Je ne vais pas toutes vous les montrer. J'ai envie de vous montrer ma petite Salomé. Regardez, qui est ma petite sirène. Elle nage avec les baleines. Et oui, Sylvie, vous avez vu la fleur de lys? Elle est là, grâce à Marie, ça. Voilà, notre petite Salomé. Donc, tout ça, ce sera bientôt disponible. Hein. Et puis, je vous en montre encore. Allez, aujourd'hui, c'est notre petit Sacha qui est. Ben, on a notre Québécoise. On pourrait imaginer que c'est notre petit Québécois ou pas. En fait, il a son petit feu de camp et moi, je l'adore. Hein. Il joue son petit du banjo et il a sa petite tente derrière. Voilà. Ce sont les trois parmi tant d'autres, parce que j'en ai plein d'autres à côté, mais je vous les montrerai la semaine prochaine. Son nuevo modelos por la próxima colección. This is the new models for the next collection. Voilà, muchas gracias, Marta. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Il est 4h30, on a bien bossé. C'était un... Et Sacha avec la baleine, c'en est un autre que j'ai fait. Je vous embrasse bien fort, vous prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, hein, on compte sur vous. N'oubliez pas de partager aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? La box fête des mères, parce que bientôt il n'y en aura plus. Donc pensez à vos mamans, à vos grands-mères ou pensez à vous-même. La porte ouverte aussi pour celles qui veulent venir broder avec moi et qui ont la chance d'habiter pas trop trop loin de Bourgoin. Après 1 heure, 2 heures, regardez, moi j'ai fait 2 heures de route pour venir aujourd'hui faire le live avec vous. Ça se fait vite et en plus, si on est entre copines, bah, c'est sympa et on pourra passer un moment ensemble. N'oubliez pas non plus le cours dans le nord de la France. Je n'ai pas vu s'il y avait des Belges avec nous aujourd'hui. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Take care of yourself. See you next Monday. Hasta la próxima vez. Muchas gracias a todas. À lundi. Bye bye. Salut.